Bonjour tout le monde, salam alaikum, sikhair alaikum, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc en fait, suite à la demande de beaucoup de candidats, que ce soit sur les réseaux et des anciens webinars, en fait la thématique des soft skills a été très demandée. Et en fait, c'est une thématique qui est très 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 importante et c'est un aspect très important à développer lors d'un entretien d'embauche. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense joie d'accueillir avec nous Linda Belaïd pour parler justement des soft skills, hein. Donc Linda Belaïd a plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine des ressources humaines et dans le domaine des relations humaines aussi, hein. Donc elle va partager avec nous ses références, ses techniques et la meilleure manière en fait pour bien mettre en valeur ses soft skills, hein. Donc Linda, marhaba bek. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous portez bien et que le vous permettre justement de parler de ça tout à l'heure, Yasmine, que le confinement a d'ailleurs à vous apporter comment dire, d'aspects positifs dans surtout la prise de recul de taco. L'idéal, c'est d'aller sur la lecture, sur la formation en e-learning pour apprendre des choses. Et au final, le confinement, vous allez avoir un bon bilan. Quand vous du confinement, ça sera un Inch'Allah, bilan inch'Allah. positif pour vous. Voilà, ça c'est que j'ai pour vous. Oui, alors, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui touche un peu les emplois, les personnes qui sont en recherche, les fraîchement diplômés, donc ça touche toutes les. Il y a ceux qui ils ont pris conscience qu'il faut qu'ils développent ces aspects-là. Il y a ceux qui n'ont pas encore pris conscience. Donc, si vous voulez, la présentation aujourd'hui va s'adresser non seulement à ces personnes qui ont déjà pris le recul nécessaire, mais aussi et surtout qui ne savent pas encore ce que c'est et qui doivent impérativement faire des recherches. La présentation, elle peut se faire en 10-15 minutes, hein, mais vous allez remarquer que c'est une présentation de lecture. Je l'ai faite exprès de cette manière pour que, au final, si vous souhaitez récupérer de la avoir comme document, avoir plus. Donc, on va se mettre d'accord un peu sur deux ou trois règles que je mettrai en place tout de suite. D'abord, prise de notes, s'il vous plaît. Si toutefois, parce qu'il va y avoir beaucoup de mots-clés. Vous n'avez pas tout de suite maîtrisé, donc il faudrait aller plus loin dans la déwahda. Deuxièmement, il vaut mieux les garder à la fin pour qu'on puisse interagir de manière efficace. Encore une fois, la présentation Hadia, avec vous si vous le souhaitez, elle est faite pour que ça puisse être justement un document de lecture plus tard pour aller plus loin. Voilà. D'abord, soft skills, mais on va faire un peu la parallèle avec les hard skills. On va de la question pourquoi on n'en parle aujourd'hui d'ailleurs. C'est un comment dire un domaine qui revient souvent. On va aussi vous faire une petite liste comme ça des compétences recruteurs. Sur cette liste-là, je vais partager avec vous la liste des compétences les plus dire souvent. Mais en même temps, je vais partager avec vous deux études sur les compétences les plus recherchées aujourd'hui. Donc, une étude 2019 et une autre en 2020. On va aller sur la question liée à l'identification par les recruteurs, comment les recruteurs font pour identifier ces soft skills. Et puis à la fin, le point, je pense, le plus important qui intéresse, comment les développer et comment aussi les mettre en valeur lors des entretiens, lors des échanges.
ces consultants, ces recruteurs. Donc, ça va être sous forme de conseils, comme ça, de petits conseils. Et après, on aura, bien sûr, on va avancer un peu plus et un peu plus dans le détail dans ces petites astuces qu'on peut vous communiquer. Donc, soft skills. Donc, soft skills, en français, c'est les compétences douces, si on fait une traduction intégrale. Compétences douces. Les compétences douces, qu'est-ce qu'on veut dire par compétences douces? C'est les compétences liées au comportement sur la partie sociale. Mm-hmm. On a les hard skills qui sont aussi, si on fait la traduction intégrale, c'est les compétences dures, mais c'est plus le background, les compétences, la formation, la compétence technique. Voilà, en d'autres termes. Les hard skills, je disais tout à l'heure, donc c'est des compétences dures. Elles concernent les techniques que vous avez acquises, études. Donc, c'est lié à la formation. Pour revenir un peu au social, un peu plus explicite, donc je disais tout à l'heure que les compétences, ce sont les compétences sociales, humaines, qui sont le caractère et votre personnalité. De nombreux recruteurs, les soft skills sont, on va dire, les plus importantes, voire à égale. Et ce sont aussi les compétences sociales qui déterminent la manière. Votre façon de vous intégrer, par exemple, de collaborer avec vos collègues, ces compétences-là qui vont déterminer votre manière d'interagir avec vous. C'est pour ça que c'est devenu important, c'est pour ça que les recruteurs sont souvent à la recherche de ces indices lors des entretiens pour les détecter justement et voir comment. Imaginez dans un groupe, voilà, et interagir dans un groupe. Donc, je disais tout à l'heure que les hard skills sont étroitement liés. Lors d'un entretien, l'entretien se passe, et ensuite, lors de l'entretien, son objectif principal, c'est d'aller détecter les soft skills en réalité. C'est un peu la slide, s'il te plaît. C'est fait. Voilà. Je vous disais tout à l'heure pourquoi aujourd'hui des soft skills. Je vous le fais en quelques points, hein, quelques points très importants qui reviennent souvent. Souvent dans mon étude, quand j'ai un peu fait mes recherches sur ce sujet-là. Donc, pour que les autres suivent avec nous, oui. C'est bon. Oui. Alors, déjà, l'important, c'est que vous êtes de plus en plus rare à parler de vos capacités humaines lors des... qui revient... Notamment avec, on a remarqué ça avec les fraîchement diplômés qui sont vraiment sous stress et sous stress de trouver un emploi très rapidement. Les chercheurs d'emploi actifs, ils se laissent un peu prendre par les aspects liés au stress de ne pas trouver un emploi, donc ils oublient cette partie du comportement. Et donc, lors des entretiens, ils ratent facilement leurs entretiens parce qu'ils ont cet aspect-là. Les hard skills qui sont importants, hard skills, donc, école de formation, maîtrise de métier, comme je vais donner un exemple, ingénieur, pas parce que vous êtes ingénieur de maintenance que vous allez recruter, par exemple. Le recruteur, il va. Vous n'allez pas être pris parce que vous avez tout, mais parce que l'autre a un meilleur comportement. Il imagine un peu mieux dans. Posez-vous justement cette question. Pourquoi?
trouve qu'aujourd'hui, les soft skills, après la formation et l'expérience, elle se positionne d'après certains à la troisième position, mais d'autres non, ont à égale importance. Et puis, les questions posées sont souvent autour de, comment dire, de vos capacités de vous introduire dans une. De comment, comment vous allez gérer une équipe en tant que manager, que vous allez pouvoir justement évoluer humainement dans ce groupe, parce que lui, en tant que recruteur, connaît les équipes dans lesquelles vous allez. Donc, il vous imagine tout de suite dans ces équipes. Et imaginez aussi votre groupe. Il vous a déjà comme ça en face, et tout de suite, hein, il met un peu les choses en place. Et c'est là où non, ce candidat ne fera pas la tel comportement. Et moi, dans mon équipe actuelle, dans laquelle il doit interagir, ça ne colle pas. Je vous expliquerai. On peut passer un peu l'autre slide. Je vous dire pourquoi. De toute manière, c'est lié à la culture d'entreprise, mais on va aller plus loin et vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, d'intelligence artificielle. Il y a une chose en Europe ou ailleurs, l'intelligence artificielle avance très vite. En Algérie, moins vite, mais en tout cas, tout ce qui se passe ailleurs va arriver certainement. La chose que l'intelligence artificielle, c'est... justement, cette capacité du cerveau humain à s'adapter, à porter différemment. Donc, le recruteur recherche cette différence-là, justement. On a beau essayer de mettre en place tout ce qui peut remplacer. La chose que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer, c'est justement cet comportement humain qui va manquer et le recruteur recherche. Il y a aussi un autre point qui revient souvent, donc c'est le capital humain qui est le meilleur pour l'entreprise. C'est pas la machine qui va avancer l'entreprise seule. Elle est là, mais elle n'est pas seule. C'est le capital humain qui doit faire avancer son innovation et dans sa compétitivité sur le marché. Donc, on se met de plus en plus à rechercher justement ces qualités humaines qui vont faire avancer l'entreprise. Les relations humaines sont aussi la base de tout, de l'avenir de l'entreprise. L'entreprise, de toute manière, en lien avec l'humain, on a besoin de voir un peu comment les personnes évoluent. L'entreprise, c'est un humains qui sont là, qui la font avancer et nécessaire que ces interactions qu'on a envie de faire. Donc, en plus des compétences techniques, les comportements sur la personnalité, je disais tout à l'heure, je vous expliquais détecte ces compétences-là parce que de l'entreprise, de la culture de l'entreprise. Il a aussi son idée de comment le groupe il va essayer de matcher. Donc, vous avez des valeurs, l'entreprise, recruteur, je vais aller chercher les personnes qui matchent justement comment leurs valeurs matchent avec d'où les questions que vous allez avoir du style votre comportement, si vous voyez telle et telle situation. C'est-à-dire qu'on fait appel souvent à des questions pour aller justement ce qui fait votre système de valeur. On passe à la slide suivante. Oui, c'est Yasmine. Donc, j'espère que c'est clair. C'est encore une idée pour vous mettre un peu dans le bain et comprendre pourquoi déjà pourquoi les soft skills sont aujourd'hui importantes, pourquoi
de se, comment dire, s'appuie de, où il y a des questions qui vont aller dans le sens de liées à la aux soft skills. Il va faire un peu, si vous voulez, de la, il va aller chercher justement ces compétences. Je voulais aussi vous dire une, je me suis rappelé un mot qui sort, les compétences. Pour votre information, c'est un ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir. Et on ne parle pas encore de fraîchement diplômé. On parle niveau acquiert, c'est-à-dire que je viens avec mon background, je viens avec ma formation. Je n'ai pas encore développé des compétences. Je me ferme. Qui se développe au fur et à mesure. Un NG, je suis ingénieur en maintenance. Je viens avec tout ce que j'ai appris. La première chose que le recruteur fait, c'est qu'il vous installe dans une équipe. Vous allez avoir un mentor qui va vous montrer comment les machines fonctionnent. Vous savez théoriquement comment ça marche, mais il faut aller chercher justement cette compétence, il faut la maîtriser. Donc, dès que vous passez un cap, vous allez passer une compétence, et là, on peut parler de compétence, c'est-à-dire la maîtrise complète. Et là aussi, on parle de compétences soft skills, compétences, ça aussi, c'est des niveaux de maîtrise. C'est pour ça que c'est que peut-être que vous les connaissez, ces compétences. On va justement les décliner, on va les compétences dans le savoir-être. Donc, dans une compétence sur un plan social, sur un plan des autres. Mais encore une fois, on ne peut pas aujourd'hui dire que quelqu'un a cette compétence tant qu'il ne la met pas. Il ne suffit pas de connaître la compétence, il faut aussi la voir. Et c'est ça le but de cette communication aujourd'hui, c'est comment aller la chercher, cette compétence. La développer, je crois peut-être que j'ai aspect un peu que j'ai développé avec le temps, profiter si vous voulez de ce temps que vous avez au confinement pour suivre comment dire, des étapes pour justement pour les renforts. Donc j'ai repris si vous voulez les compétences qui reviennent dans qui sont revenus le plus souvent, qui me semblent importantes. Exemple du savoir. Le savoir communiquer, donc je compte sur vous pour prendre des notes, s'il vous plaît. Donc le savoir c'est qu'est-ce qu'on entend par le savoir communiquer? C'est la présentation. Je présente oralement ma personne. Est-ce que quelqu'un d'ouvert? Est-ce que je suis quelqu'un de refermé? Est-ce que j'ai les mains sous la tête? J'ai les mains qui se frottent avec, bien sûr, une bonne diction. Mm-hmm. Ça se prépare, on se prépare pour ça. On se regarde dans une glace et on voit un petit peu comment on articule. Donc, tout ça, c'est important. Anna, non. Voilà aussi la présentation claire des idées, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne diction, il faut avoir des idées claires. Parce que si j'ai des idées claires, je pourrais les communiquer clairement à mon interlocuteur. Cohérent dans ma communication, sachez que vous allez être mis dans la case de la personne qui ne communique pas. La communication dans le métier dans lequel vous allez être recruté. Donc, je disais tout à l'heure, présentation claire des idées, aussi persuasif, devenir persuasif, ça, je vous comprends tout de suite, ça se développe, c'est pas quelque chose qui est inné, peut-être, mais pour la personne qui se développe. Il faut être aussi convaincant. En disant persuasion à convaincre l'autre. Personnellement, moi,
très convaincue par une idée, j'aurais du mal à être mon interlocuteur. Donc, c'est lié aussi aux convictions personnelles. Quand je dis convaincant, donc ça veut dire que j'ai quelques qualités de négociateur. Ça peut aussi être intéressant. Communication, dans la communication téléphonique, ça rejoint dans la présentation orale. Dans la communication, il faut avoir une bonne diction pour être compris par l'autre. Donc, ça aussi, on s'entraide sur ces choses-là. Quelques essais au téléphone, l'intonation de la voix pour voir un peu si moi j'ai une bonne diction, donc pour que mon interlocuteur comprenne tout de suite l'idée que j'ai envie de un peu la dans le visu. J'ai un visage qui j'ai un visage souriant, est-ce que il y a de l'ouverture quand je parle à une personne, est-ce que mon visage s'illumine, est-ce que j'ai de l'ouverture vers l'autre, est-ce mm-hmm. que je souris suffisamment à l'autre. Il y a être attentif, être à l'écoute, mm-hmm. Le langage corporel qui est important, les lignes des notes, le styling est très important quand je suis dans un où je dois être convaincant, faire appel un peu à des souvenirs, mais qui doivent être justement choisis de manière intelligente, transparaître certaines choses ou sortir une idée qui est en cohérence avec le sujet. Le storytelling est pour certains qui ont bien développé leur arrivent à bien le maîtriser. Donc la prise de parole en public, c'est normal quand on est recruté pour un poste dans le management. On est appelé souvent à communiquer lors des réunions. On a deux ou trois personnes en face. Quand je dis deux personnes, comme je peux avoir une centaine de personnes en face, donc je dois être capable, en tant que candidat à un poste de manager, par exemple, à maîtriser cet aspect. Il y a des formations sur ça, donc je pourrais en parler tout à l'heure. Bon, après, il y a l'aptitude à l'écrit. Il y a certains élections où le recruteur vous met un peu un test pour voir un peu votre niveau déjà de maîtrise rédaction et puis pour voir un peu ce que vous êtes de rédiger un texte qui accroche, notamment dans les métiers de la communication et tout ce qui est. Voilà. Donc, ça, c'est le savoir. Pour vous dire, communiquer, ça englobe beaucoup d'aspects à maîtriser pour se dire, voilà, j'ai cette... Et je suis capable aujourd'hui même d'échanger avec les autres de manière avec aisance et maîtrise. Il y a aussi cette compétence qui est aussi importante, c'est la passion, c'est l'enthousiasme à l'autre. Dans l'enthousiasme, quand à l'entretien, je suis et mon enthousiasme, je suis capable d'avancer. Un esprit positif, respectueux de l'autre, et que je suis non seulement, mais je suis aussi persévérant. Donc ça, c'est les messages je montre cette passion, cette motivation, cet intérêt des entretiens. Donc voilà un peu le message que je transmets de manière implicite. Donc c'est la coopération, c'est la persévérance, l'optimisme. Et surtout l'aspect positif d'un comportement. Ok, je peux dire telle chose, en même temps, je sais tirer le positif, mm-hmm. le meilleur de la situation. Il y a une autre. C'est une compétence qui revient souvent. Aujourd'hui, les entreprises recherchent des personnes qui sont adaptables, qui sont capables de.
d'être à l'écoute, d'être attentif, d'être coopératif. Je m'adapte à toutes les situations, que je suis capable d'être empathique, c'est-à-dire de me mettre à la place de l'autre pour que je puisse interagir avec lui de manière positive. Et je suis aussi respectueuse. Et je m'adapte aux situations difficiles. Si vous remarquez un peu l'image choisie, c'est un peu... Il y a une plante qui sort un peu de ce bitume. Il y a aussi une autre compétence qui m'a l'air importante aussi, Yasmine, c'est l'esprit d'équipe, c'est le travail. Les entreprises aujourd'hui, surtout celles humaines, je ne dis pas que les multinationales n'ont pas ce souci-là. Mais cette compétence-là apparaît surtout dans les entreprises à taille humaine, où le travail d'équipe est très important pour pouvoir justement avoir une idée, un business. Cela impliquerait bien sûr l'ouverture d'esprit, la sociabilité, la coopération, la collaboration, tous ces éléments. Cela entraîne cette compétence recherchée chez le recruteur. Juste en tant que recruteur, cette compétence, il faudrait que je recherche un peu dans votre discours l'empathie, chercher est-ce que vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute, est-ce que vous êtes un peu dans la, vous n'êtes pas dans la rétention de l'information. Tout ça se passe lors des entreprises. Et c'est beaucoup de recruteurs qui sont capables de ressortir ces éléments-là et surtout capables de les transcrire. À l'entretien, on a remarqué l'attitude et tel discours qui rend un bon esprit d'équipe. C'est quelqu'un qui est d'être dans l'écoute et l'empathie. Voilà. Si d'autres compétences, on y va. Alors, il y a l'efficacité qui revient aussi. Les délais, c'est est-ce que je suis dans la rigueur, est-ce que je suis dans la gestion des priorités. Dans les assessment centers, je vais vous en parler tout à l'heure, il y a des exercices qui sont là justement pour aller chercher ces informations chez le candidat, voir un peu s'il est réellement dans la gestion des priorités. Il y a aussi d'autres compétences, l'organisation, l'efficacité, il y a aussi d'autres compétences, c'est l'initiative, la proactivité. C'est qui revient souvent. Je suis recrutée pour... Un collaborateur est recruté pour aller chercher des solutions et non pas poser des... il est là aussi pour justement poser le problème parce qu'il est censé détecter la problématique, mais poser des solutions. Et la proactivité, c'est cette qualité-là qu'on recherche, c'est d'aller chercher justement... Allô, vous m'entendez? Oui, je t'entends parfaitement. Après, je ne sais pas si... Yasmine, tu m'entends? Si les participants sont... J'ai vu des messages. C'est beaucoup. Je parlais tout à l'heure de l'initiative et la proactivité. D'accord. Proactivité. Je disais aussi qu'un collaborateur, je vous disais que c'était qui m'a marqué un peu, donc un collaborateur pour non seulement détecter la problématique, mais aussi c'est ce qu'on appelle la proactivité. Ça se développe avec le temps, parce qu'on ne parle pas d'activité aux fraîchement diplômés, quoique on a des pépites fraîchement diplômés qui sont tellement intégrés, tellement curieux,
sans dans, c'est-à-dire un processus de temps de la solution, ils peuvent vous surprendre avec des idées innovantes et qui peuvent faire avancer un petit peu les problèmes posés, faire avancer un petit peu la proactivité aussi est très demandée aussi lors des entretiens. Je vous dirai comment elles sont détectées plus tard. Nous avons, on peut avancer un petit peu, Yasmine. Alors la prise d'initiative, après la prise d'initiative, il y a professionnel, c'est tous les recruteurs qui vont vous dire que c'est une compétence, ça fait partie un peu de la valeur de toutes les entreprises, c'est l'éthique. Et je vous disais tout à l'heure que lors on fait un matching et le matching entre valeurs du candidat sur système de valeurs d'entreprise. Et donc moi, si je ne retrouve pas des informations qui peuvent m'aider à détecter cette compétence dans la gêne, et au contraire, si il me donne toutes les raisons. Ce candidat me donne toutes les raisons de croire que dans le respect de l'éthique, tout de suite, il sera disqualifié. C'est une entreprise, mais en avant, cette compétence, d'autres compétences, c'est-à-dire que c'est le respect, c'est l'éthique, donc c'est important dans... Il y a une autre, l'autre compétence que j'aime beaucoup, c'est la curiosité. C'est pour ça que je vous demande de prendre des notes et de profiter un peu de tous les mots-clés qu'on est en train de aujourd'hui pour que vous puissiez aller plus loin dans votre recherche et dans quand vous allez un petit peu. Au sujet des soft skills, comment je vais les développer en tant que candidat employé d'une entreprise. Je vais prendre les là et je vais aller plus loin. Donc, c'est l'observation, l'apprentissage, c'est l'innovation, c'est la créativité, former de tout. Logique de recherche, d'ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, les entreprises développent pour pousser justement ses collaborateurs à s'informer, à être curieux, parce que c'est là qu'on peut développer énormément de compétences. Pour aller plus vite, parce que là, je pense qu'on a... Donc, je vous disais, donc, ouverture d'esprit. Le leadership. Linda, je ne t'entends plus. Linda, je t'entends plus. Alors, est-ce qu'on est en train d'entendre Linda? Entendez? Bon. Ah, Linda, on te retrouve. Oui, moi je vous en... oui, je suis là. Là ça va? Allez, donc rapidement, le leadership, ça englobe un peu tout ce qu'on connaît du leadership, donc la délégation, les décisions de formation là aussi. Encore une fois, le recruteur essaie de les rechercher à l'entretien. Il y a des techniques, des questions directes, questions fermées, questions... ouverte pour pouvoir justement arriver à des conclusions liées des candidats. Donc, on avance plus vite, s'il te plaît, on va essayer de faire ça. Alors, sur la présentation, vous avez trouvé deux études. Vous avez trouvé deux études. Gestion du stress pour les compétences connues. De toute manière, on va essayer de les retrouver plus tard sur la...
Alors, on avance un petit peu, s'il te plaît, pour aller sur les deux études qui ont été développées, donc une en 2019 et l'autre en 2020. Alors, c'est l'une, la première, elle a été développée par LinkedIn. C'est là, donc avant, celle de LinkedIn, s'il te plaît, d'abord. Avant. Sur quel slide, Linda? Avant, très bien. Vas-y, repars. Alors, 3, 2, 1. En fait, LinkedIn a réalisé une enquête et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a 4 compétences essentielles que les candidats doivent impérativement. Et qu'aujourd'hui, les recruteurs recherchent, c'est lié un peu au développement économique. Hein. Enfin, chaque époque, son époque, et chaque époque a ses compétences à développer. Aujourd'hui, on a ces 4 compétences recherchées. C'est lié un peu au développement technologique. Hein. Donc, on retrouve la créativité. On retrouve aussi, s'il te plaît, on peut avancer. Alors, on retrouve la créativité. Oui, je ne sais pas en tête. Alors, créativité. Vas-y, alors. La persuasion. Et persuasion. Donc, on parle un peu sur la partie négociation. Persuasion. Collaboration. Donc, c'est l'esprit d'équipe. Et même si ils prennent des noms différents, mais de toute manière, ça renvoie vers le sens qu'on avait développé tout à l'heure. Et l'adaptabilité. Donc, 4 compétences essentielles que les recruteurs recherchent aujourd'hui aux entretiens. En tout cas, quand vous entendez parler d'études faites à l'étranger, donc en Europe ou ailleurs, elles vont arriver, c'est-à-dire les résultats vont nous toucher à une manière directe ou indirecte. De toute manière, ça va arriver, même si il y a un petit décalage, mais c'est des choses qui vont arriver bientôt chez nous parce qu'on est en train de suivre un peu justement l'évolution des pratiques. Et elles vont arriver de toute manière. Donc, les 4 compétences, c'est celles qui reviennent le plus et c'est celles qui sont recherchées le plus en entretien. Donc, voilà, à vos entendeurs. Bah, si vous avez envie d'avancer un peu plus et de les développer, il y a des outils pour ça. Il y a une étude réalisée par le World Economic Forum. Il parle aujourd'hui des soft skills que doivent et posséder, mais impérativement les candidats en 2020. Je dis impérativement, c'est le terme qu'ils ont utilisé. C'est bon. Après là, c'est une liste, mais c'est à peu près. Ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc la résolution de problèmes, pensée critique, créativité, gestion des équipes, coordination, intelligence émotionnelle, prise de décision, souci du service client. Ça, c'est une phrase qui est nouvelle. Négociation. Là, c'est intimement lié à la persuasion, la souplesse cognitive, donc la flexibilité mentale, qu'on recherche aussi lors de l'entretien. Si moi j'ai en face une personne qui n'est pas flexible mentalement, je peux pas avancer avec lui parce que de toute manière, moi j'ai une équipe qui est très agile, qui est très très rapide dans son raisonnement. Donc si je le remets moi un candidat qui est un peu lent, ça va les tirer vers le bas. Donc, le recruteur, justement, recherche ces qualités-là chez des candidats actuellement. Nous avons aussi une autre étude réalisée par MakeMePage. Oula. Oui. Patrick est faible. Non, c'est bon, c'est bon. C'est mon chargeur. Tu m'entends? Oui. Il y a la dernière étude que j'ai envie de partager avec vous, c'est celle de Michael Page. Eux, ils ont, si vous voulez, composé en 3 familles. Donc, la famille la famille des compétences liées à la personnalité. Donc, vous avez la confiance en vous, en soi, la persévérance, résilience, organisation, l'assertivité. Ça, on le recherche de manière implicite, mais finalement, eux, ils l'ont placé carrément dans la famille de la des compétences liées à la personnalité, l'empathie, la fiabilité. Celles qui sont en relation avec la communication, c'est donc savoir communiquer, savoir réseauter, savoir travailler en équipe, savoir négocier et savoir être influent. La troisième famille, c'est, je vous disais tout à l'heure, c'est lié à la flexibilité mentale, on appelle ça l'agilité.
Donc, c'est la prise de recul, la gestion du stress, l'ouverture d'esprit, créativité, flexibilité, prise d'initiative et surtout l'efficacité. C'est des compétences avec lesquelles, enfin, moi, en tout cas, personnellement, je suis d'accord complètement avec cette classification parce que finalement, ça nous oriente justement vers, mais de manière plus claire, vers les qualités recherchées lors des entretiens. Ça facilite surtout l'échange avec les candidats et même les questions qu'on doit monter en tant que recruteur pour aller justement les détecter ces qualités. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de comment sont-elles identifiées, parce que pour que je puisse, moi, en tant que candidat, les développer, il faudrait d'abord que je comprenne comment elles sont détectées. Alors, vous avez en premier lieu l'entretien. L'entretien, aujourd'hui, pour tous les recruteurs qui sont formés, ils sont formés sur la méthode STAR. Et s'ils ne sont pas, c'est une communication, c'est une information que je communique avec les recruteurs s'ils nous écoutent. S'ils ne sont pas formés sur la méthode STAR, il faut être impérativement formé sur cette technique-là parce que c'est comme ça que vous avez détecté justement toutes ces qualités-là, toutes ces compétences à l'entretien. Mm-hmm. Je vais vous expliquer. Je pense qu'il y a eu un webinaire sur la méthode STAR avec la DRH de Abd Ibrahim. Vous pouvez retrouver la méthode STAR, mais utilisée par le candidat. Donc ça, c'est l'initiative du candidat d'utiliser cette méthode pour se différencier des autres candidats, justement. C'est-à-dire, elle s'est adressée. Ouais, c'est quoi la différence entre elle s'est adressée au candidat par l'instructeur. Tout à fait. Tout à fait, oui, tout à fait. Ok. Oui, oui. Moi, je vous invite à revoir un peu le replay. J'ai trouvé donc la communication très intéressante et très enrichissante. Vous pouvez aussi aller chercher, hein, donc aller faire des recherches, aller faire vos propres recherches à vous et vous renseigner à son sujet. Alors, pour les recruteurs qui ne sont pas encore formés sur cette méthode, moi, je les invite à être formés sur ça parce que c'est un peu, si vous voulez, la méthode la plus rassurante et la plus efficace pour aller chercher justement de manière objective ces compétences. Nous avons aussi aujourd'hui les bilans de compétences, on appelle ça les assessment centers, les mises en situation, et plus récemment, les escape games. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est. Alors, pour la méthode STAR, très rapidement, juste pour rafraîchir un peu la mémoire pour ceux qui ont suivi la communication de la DRH de Abd Ibrahim. La méthode STAR, très rapidement, donc c'est un peu l'abréviation de trois actions, hein, finalement. C'est situation, tâche, action et résultat. Le recruteur, par exemple, quand il pose une question, eh ben, il va poser une question sur. Reviens un peu sur, s'il te plaît, sur le slide. Voilà. Il va poser. C'est-à-dire, il va détecter une situation qu'il a peut-être détectée sur le CV et il va prendre cette situation-là. Il va vous poser des questions. Des questions directes, des questions orientées. Donc, il va d'abord reprendre cette situation-là. Il va vous poser la question quelle était la teneur de votre de ce poste-là, de cette situation. Ensuite, il va vous poser la question par rapport à la tâche, en quoi consistent les tâches sur ce poste-là, quel rôle avez-vous joué dans ce poste. Il va détecter une action, quelle a été votre angle d'approche, parce que vous, en tant que candidat, vous allez développer les situations que vous avez vécues à ce poste-là. Donc, le recruteur, il va vous poser une question sur l'angle d'approche, comment vous avez, quelle approche vous avez choisi pour justement appréhender cette situation, quelles mesures concrètes avez-vous prises donc à cette situation, et puis à la fin il va vous dire ok, très bien, vous êtes bien gentil, mais quels sont les résultats que vous avez pu obtenir lors de l'action que vous avez choisie, bien sûr, en tant que recruteur. Voilà. Donc ça, c'est la méthode STAR. C'est une méthode infaillible justement pour le recruteur pour aller détecter des compétences telles que la gestion des équipes, donc dans le leadership, la prise de décision, la détection de problèmes, détection de problématiques et les solutions. Est-ce que vous êtes un peu quelqu'un qui est dans la solution, qui apporte des solutions?
les autres, c'est grâce au travail d'équipe que vous avez réussi à atteindre votre objectif ou à se réaliser. Donc voilà, c'est une méthode que je trouve vraiment infaillible pour aller détecter ces compétences. Donc on a aussi une autre manière pour les recruteurs de détecter les compétences, c'est les assessment centers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les assessment centers, c'est des mises en situation professionnelles. Il y a les entreprises qui font beaucoup et qui ont intégré justement les assessment centers dans leur process de recrutement. Il y a d'autres noms. Les assessment centers sont utilisés pas que pour les recrutements, ils sont aussi utilisés pour les développements de la mobilité interne à l'entreprise. Hein. Donc, je vous rassure, c'est pas que pour le recrutement, mais c'est aussi utilisé pour développer un peu les compétences internes à l'entreprise, donc en mobilité interne. Les assessment centers, donc les candidats qui sont conviés ou invités aux assessment centers, ils vont vivre quand même soit une journée ou sur deux jours, des mises en situation, des jeux de rôle, des tests psychotechniques et des questionnaires d'aptitude. C'est-à-dire, durant toute la journée, il ne fera que être en observation, c'est-à-dire qu'il y a des observateurs qui vont l'observer tout au long de la journée sur toutes ces mises en situation. Alors, les jeux de rôle, ça peut être de la gestion de conflit, les mises en situation professionnelles, ça peut être une basket ou des business case, et puis pour les tests psychotechniques, ça peut être dans le raisonnement, ça peut être aussi dans les compétences attendues dans un milieu professionnel, et il y a aussi des assessment centers où on retrouve aussi des questionnaires d'aptitude. Les assessment centers, c'est un outil formidable pour détecter justement ces compétences. Un outil formidable. Pourquoi il est formidable? Parce qu'il assure un niveau très élevé en objectivité et en prédictivité, on va dire. Un niveau de prédictivité très élevé quand on est en face de candidats, soit à des postes en recrutement, donc en recrutement externe, ou bien en interne, en mobilité, pour passer d'un gap à un autre. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, donc plus récemment, c'est les escape games. Ils sont utilisés beaucoup plus en Europe par les big four. D'audit. Yasmine, tu m'entends? Allô? Vous m'entendez? Je ne sais pas si tu m'entends, Yasmine. Je t'entends très mal, Linda. Je t'entends très mal. Ah. Je t'entends. Je t'entends, Linda, mais on ne te voit plus. Peut-être qu'il y a un souci de connexion. Oui, oui. Voilà. Peut-être qu'il y a... Linda, est-ce que tu nous reçois? Okay. Très bien. Mais écoute, je t'invite à terminer de ta présentation, peut-être que d'accord, c'est un souci de connexion alors, et que Clara a été désactivée automatiquement par souci de bande passante. Je disais tout à l'heure les escape games, donc c'est une méthode récemment utilisée pour notamment pour les fraîchement diplômés. Pour les candidats, c'est une manière d'évaluer nombreux aspects liés à la personnalité, mais pour les candidats, c'est un jeu qui casse un petit peu les codes, qui casse un peu la routine des entretiens. Voilà. Donc, on avance très vite, s'il te plaît. On va aller vers comment. J'ai oublié le détail de la e-réputation. C'est l'une des manières de détecter certaines compétences chez les candidats. Nous, au niveau du cabinet Italent, on l'utilise de manière systématique. C'est aller chercher un peu ce que le candidat qu'on a. On a envie de présenter aux clients. On va voir un peu sa réputation, sa irréputation sur les réseaux, comment il la gère. Est-ce que réellement il est dans ce qu'il a communiqué lors de l'entretien, de manière concrète? Est-ce qu'il y a de la cohérence dans son discours? Regardez surtout les traces qu'il a laissées derrière lui en ligne, hein, donc c'est important. Voilà, donc... Ok, on avance un petit peu, s'il te plaît. Alors, les derniers points, donc comment développer les soft skills. On va aller très rapidement sur, je dirais, quatre concepts.
Déjà pour tout le monde, hein, c'est un message que j'adresse à tout le monde. Donc s'inscrire à des formations courtes, on a ou approfondies, tout dépend de l'intérêt que vous avez aux compétences soft skills. Donc en présentiel ou en e-learning. S'il est entendu que certaines caractéristiques fondamentales de la personnalité sont difficiles à changer, bon nombre de points peuvent néanmoins se cultiver durablement. Donc grâce à la formation continue. Le e-learning, nous, en tout cas au niveau de l'entreprise, on a une liste interminable de formations très, 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 très intéressantes en e-learning et que tous nos collaborateurs suivent et c'est tant mieux. Donc, pour les entreprises qui ont développé ça, c'est tant mieux. Pour les candidats qui ne sont pas en poste ou qui sont en recherche active ou les fraîchement diplômés, il y a d'autres solutions. Comme par exemple les MOOC, on revient un petit peu sur les MOOC. Les MOOC, c'est des formations gratuites, c'est des courtes formations. C'est des, en anglais, c'est online short courses, gratuites et accessibles à tous. Il suffit d'être curieux et savoir ce qu'il faut chercher. Donc, c'est un conseil que je donne à ceux qui ne sont pas en entreprise, parce que, encore une fois, les entreprises ont développé eux-mêmes pas mal de moyens pour permettre à leurs collaborateurs de développer les soft skills. Pour ceux qui ne sont pas en entreprise ou les fraîchement diplômés, je les oriente vers les MOOC, donc Online Short Courses. Donc, c'est des petites formations très courtes. Maintenant, il faudrait, pour y arriver, donc il faut d'abord être très curieux et puis savoir ce qu'on cherche. Voilà. Le deuxième conseil qu'on donne pour développer justement les soft skills, déjà dans la rédaction de votre CV, c'est important d'identifier d'abord ces soft skills, vos soft skills, celles que vous maîtrisez le plus, et puis les mettre en avant sur le CV. Ne surtout pas tomber dans le piège des soft skills à la mode. C'est-à-dire, voilà, j'ai vu un CV qui est bien écrit où on retrouve leadership, machin et tout. Ne tombez pas, s'il vous plaît, dans ce phénomène de mode. Et soyez concret, soyez direct et soyez honnête. Donc, mettez en avant ces soft skills. Comment ? Donc, il faut d'abord, c'est lié à une expérience professionnelle pour ceux qui ont c'est-à-dire des choses à développer sur le CV, donc une expérience professionnelle. Et à votre personnalité, identifier ses soft skills revient donc à faire un véritable travail sur soi-même. Donc, pour y arriver, donc il faut vraiment… En émotionnel, on appelle ça avoir du temps pour soi-même. En intelligence émotionnelle, on dit « si je ne prends pas 20 minutes avec moi-même tous les jours, je ne peux pas avancer ». Professionnellement. Donc, le conseil qui est donné dans toutes les formations en intelligence émotionnelle, c'est de prendre 20 minutes avec vous-même, un rendez-vous avec vous-même tous les jours, pour déjà non seulement prendre le recul nécessaire, et surtout l'occasion pour identifier justement ces soft skills et les mettre en valeur sur vos CV quand vous avez parlé d'une expérience professionnelle. Voilà, on avance un petit peu. Donc, le troisième conseil, l'avant-dernier, puisque c'est à l'entretien que les recrutements que vous allez devoir vous différencier par rapport aux autres, il faut d'abord, comme à la rédaction du CV, c'est pareil pour l'entretien, on se prépare. On identifie les 3-4 soft skills qui vous caractérisent le mieux, qui vous correspondent le mieux, que vous pouvez rattacher à une ou plusieurs expériences professionnelles. Ça, c'est le premier point. Plus concrètement, il faut vous remémorer vos différents postes, missions ou expériences dans lesquelles ces qualités se sont exprimées. D'accord. Cela nécessite, je disais tout à l'heure, donc une bonne prise de recul et rester surtout cohérent dans l'entretien. Durant l'entretien, c'est ce qui va faire la différence entre vous et un autre, c'est votre cohérence dans votre discours. Le quatrième conseil, donc le dernier, pour les jeunes diplômés, on n'a pas oublié les jeunes diplômés, les étudiants qui disposent de surtout, on parlait tout à l'heure de hard skills, c'est-à-dire un peu, si vous voulez, la partie savoir, pas de savoir-faire encore, mais le savoir, peut prendre part à des activités parascolaires, extra-professionnelles, où ils peuvent mettre en avant sur leur CV l'organisation, la rigueur, le travail d'équipe. Un exemple très simple, lancer un journal interne, par exemple, dans son université, son école, ou sinon des travaux de bénévolat, comme accompagner des jeunes sur des formations, encore rejoindre une association. Voilà, c'est tout ça qu'on peut retrouver dans un CV d'un fraîchement diplômé. Moi, en tant que recruteur, quand je vais aller chercher des fraîchement diplômés, si j'ai pas tout ça,
je vais me poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait durant son cursus universitaire? C'est un peu une question un peu naturelle qui revient. Donc, le dernier slide, c'est juste pour vous faire un petit rappel. Dernier slide, s'il te plaît, Yasmine. Le dernier slide, encore une fois, juste un petit rappel. Le recruteur, qu'est-ce qu'il cherche lors des entretiens? C'est, si vous voulez, l'alignement entre savoir-être, donc compétences sociales, les valeurs de l'entreprise, les valeurs du candidat et la culture de l'entreprise. Donc, il recherche cet alignement-là lors de l'entretien. Donc, ça, si vous le comprenez avant l'entretien, vous allez réussir votre entretien. Si vous vous préparez suffisamment en comprenant cette phrase, je pense que vous allez réussir vos entretiens. Ces compétences sociales ne s'acquièrent pas facilement et c'est la raison pour laquelle les recruteurs veulent savoir si vous possédez déjà ces soft skills, ils recherchent. Ça veut dire que vous avez été curieux, vous avez été capable de développer des choses. Plus vous serez précis, mieux ce sera. Vous serez plus crédible et vous allez vous démarquer donc, par rapport aux autres candidats parce que le recruteur il va recevoir 4 ou 5 candidats de la même formation, de la comment dire le même background, mais qu'est-ce qui fera la différence? Eh ben c'est ça sera votre cohérence, la précision dans votre discours et surtout toutes les qualités qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà. Donc je pense que moi j'ai fini mon côté, j'ai été un peu plus longue. Je croyais que ça allait être rapide. Non mais c'est Linda, franchement, on te remercie pour toutes ces informations et pour toutes ces astuces. En fait, tu nous as pratiquement tout révélé sur ce qu'on appelle l'autre côté. Tu nous as tout révélé, que ça soit sur les pratiques des recruteurs, sur les techniques qu'ils utilisent pour identifier les soft skills, sur les soft skills les plus importantes. Donc, je pense que la plupart des participants sont satisfaits justement d'avoir eu une certaine lumière sur cet environnement-là. Oui, en fait, je vais te poser quand même quelques questions suite à la présentation, Linda. Ensuite, si tu permets, on passera aux questions des candidats. Donc moi, je serai en fait très brève. Hein. Donc en fait, tu as parlé de travail de soi. En fait, pour l'identification des soft skills. Donc, comment bien identifier ces soft skills et comment savoir comment les mettre en avant? Comment les mettre en avant? J'ai expliqué à la fin comment les mettre en avant lors des entretiens, mais ça passe d'abord par ce processus personnel d'identification. Parce que c'est un petit voyage que chacun de vous doit faire. Quand je disais tout à l'heure pour l'intelligence émotionnelle, si vous faites comment savoir en fait bien les détecter sans tomber dans peut-être dans l'arrogance ou dans la surdité. Écoutez, je vous disais tout à l'heure que pour ceux qui ont une expérience professionnelle, ils reviennent seulement sur les postes qu'ils ont occupés. Ils vont se remémorer un petit peu tout ce qu'ils ont réalisé à ce poste et mettre en valeur justement tous les aspects positifs et même négatifs de cette expérience. Parce que ça va donner cet aspect sincère au discours. En même temps, j'ai rencontré pas mal de candidats qui me disent j'ai eu pas mal d'entretiens, mais j'ai pas réussi à décrocher, j'ai pas compris pourquoi. Je vais vous raconter juste une petite anecdote que j'ai vécue moi-même, c'est mon histoire. J'ai été reçue en entretien il y a quelques années pour un poste de responsable développement RH dans une multinationale. C'est une histoire qui m'a marquée parce que c'est là où j'ai commencé réellement. Parce que nous, on part avec justement cette arrogance, on sait tout, on maîtrise tout, on a réalisé que des choses positives dans notre vie. On a ce risque-là de tomber un peu dans cette tendance. Lors de l'entretien, le premier entretien s'est super bien passé avec la DRH. Le contact était super. Techniquement, elle a tout validé sur un plan technique, sur un plan des relationnels, parce qu'elle va travailler directement avec moi. Donc, elle a aussi validé cet aspect-là d'osmose entre les deux personnalités. Donc, elle a tout validé, elle était super, enthousiaste. C'est ce qu'elle m'avait communiqué plus tard. On était 3 ou 4 candidats.
Moi, j'avais cette arrogance de penser, oui, j'étais la meilleure. J'étais, de toute manière, la DRH m'a beaucoup appréciée. C'est dans la poche, c'est génial, je vais l'avoir ce poste. Bon, il fallait quand même passer l'entretien avec le DG de la multinationale, qui est un Français. Et je pense qu'il est toujours en poste ou... Non, je pense qu'il est parti. Elle m'envoie un SMS pour dire, voilà, tu as un entretien avec le DG, mais c'est entre nous, rassure-toi, c'est juste une formalité. Le plus important, c'est avec moi et c'est avec moi que tu vas travailler. Donc, vas-y, tranquille, et tu l'auras. OK, j'y vais, je suis reçue par le DG, ouverture d'esprit. Voyez un peu, l'entretien se fait d'une manière très sereine. L'échange très professionnel, on partait vraiment dans le vif du sujet, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise. Enfin, j'avais tout préparé en fait, j'avais préparé mon entretien, je savais exactement ce que j'allais dire au DG. Il m'a surpris avec une question, il m'a dit si c'était à refaire, qu'est-ce que vous avez changé de votre carrière, de votre expérience, de toutes les décisions que vous avez prises durant votre carrière professionnelle. Moi, je viens avec mon arrogance et je dis rien. Je suis très satisfaite de ma carrière professionnelle. Je suis très satisfaite des décisions prises durant ma carrière. Je pense que je n'ai rien à changer. Et même dans mon comportement, de manière générale, je n'ai rien à changer. Je suis très satisfaite de moi-même. Et ben, sortant de là, je me disais, génial, l'entretien est dans la poche. Le poste, je vais l'avoir. Et ben, au bout d'une semaine, ben, je reçois une information de la part de la DRH pour me dire, je suis désolée, mais on a retenu quelqu'un d'autre. Alors, la première réaction, c'était « Oula, qu'est-ce qui s'est passé ?» Le DG, apparemment, ça n'a pas marché avec lui, il n'y a pas eu d'osmose, il n'y a pas eu de… Tout de suite, j'ai remis la faute sur le DG qui, non, il n'a pas apprécié mon niveau de compétence, il n'a pas apprécié ma personnalité, pourtant, je suis quelqu'un d'ouvert, assez sûr de moi-même, etc., toute l'histoire. Hein. Et puis après, je suis passée à une deuxième phase de réflexion, où je me disais, alors, je vais reprendre tout l'entretien depuis le début, je vais essayer de le revivre encore et je vais voir un peu où ça n'allait pas, où je n'ai pas plu au DG. La deuxième fois, non, tout va bien, je pense que ça c'est… c'est le DG, il avait quelqu'un d'autre en tête, il voulait juste faire plaisir à la DRH en me recevant. Ça, c'était la deuxième phase. Avec le temps… je pense qu'avec quand on vieillit, qu'on évolue, on a d'autres recul. On réfléchit pas. On voit les choses différemment justement parce que moi, ça m'amuse quand j'entends les fraîchement diplômés dire non, j'ai pas été recrutée parce que le recruteur ne m'a pas aimé tout de suite ou non et pourtant j'étais bien à l'entretien. Non, justement, il faut juste prendre 20 minutes avec soi-même, revenir un peu au basique de l'intelligence émotionnelle, prendre 20 minutes avec soi-même et se poser les bonnes questions. La remise en question est très importante. Moi, je me suis remise en question, je me suis remémorée justement cet instant-là où il m'a posé cette question, où j'ai été arrogante, où j'ai été suffisante, où j'ai été certaine de mes compétences et de dire non, je suis très contente de mon parcours. Il y a forcément des erreurs. Forcément des choses à refaire, forcément des choses à revoir dans mon comportement au quotidien, forcément des choses à apprendre des autres. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on fait changer un petit peu, qu'on change un peu notre comportement avec les autres. Et justement, cette expérience-là m'a appris beaucoup de choses. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à dire non, c'est toujours pas parfait. C'est toujours, toujours pas au point. Il faut toujours aller chercher, pas l'excellence, mais au moins l'efficacité dans ce que nous faisons et être cohérent et sincère avec soi-même. Voilà. Donc, ça, c'est une année. Très bien. Très bien. Mais écoute, Linda, du moment qu'on est un petit peu pris par le temps, je te propose de passer directement aux questions des participants. D'accord. Donc, on va commencer par la première question de Yacine Foudad. C'est Monsieur Foudad. Alors, je pense que je connais Monsieur Foudad. Est-ce qu'il y a un référent?
Oui. Alors, donc, est-ce qu'il y a un référentiel national ou international de soft skills? Écoutez, Donc, il n'y a pas de référence normes. ou normes La en la preuve, matière? on est qu'il y a des études qui sont. Je vous ai communiqué les trois études. Elles sont différentes les unes des autres. Vous allez remarquer que, par exemple, celle de Michael Page est complètement différente. Elle est partie sur une classification par famille. Et vous allez retrouver, on ne va pas retrouver pas parfaitement les mêmes compétences, mais à peu près dans le même esprit. Donc, il n'y a pas de référentiel. Il y a des référentiels compétences que les entreprises montent en interne parce qu'elles correspondent à une culture entreprise, à un esprit, à des valeurs de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que la référentiel compétences de Sonelgaz, par exemple, n'est pas le même référentiel compétences d'une banque multinationale, par exemple. Parce que chaque référentiel correspond à une culture, à des valeurs propres à l'entreprise qu'elle développe et qu'elle a envie de retrouver justement dans l'ensemble de chez les collaborateurs quand ils. Déjà, même à la rédaction des fiches de poste, des fiches emploi, on retrouve justement ces compétences qui sont déjà reprises dans le référentiel compétences entreprises. Donc, il n'y a pas de référentiel type. Si vous voulez parler de compétences, il y a le référentiel compétences français qui est un peu vieillot, je trouve. Il vaut mieux aller sur des études récentes parce que ça change de plus en plus en fonction des changements des entreprises et des besoins changeants de l'entreprise. Donc, à mon avis, ça reste mon avis, il vaut mieux ne pas se figer sur un référentiel et rester très flexible dans la récolte justement de ce type de compétences. Très bien, très bien. Alors, on a aussi une autre question de Emina Selama. Donc, est-ce qu'il faut avoir tous ces critères pour être Il faut du embauché? moins, il faut du Donc, est-ce moins qu'il faut avoir tous vouloir les les soft skills développer. pour être Je embauché? disais plus loin qu'on n'a pas toutes ces références, sinon ça ne va pas Oui. revêtir toute cette importance. Parce que si on l'a, c'est plus important, c'est bon, tout le monde l'a, c'est une évidence comme les hard skills. Et comme les soft skills ne sont pas faciles à acquérir, Oui. elles deviennent importantes. Donc, si moi, par exemple, j'ai une bonne ouverture aux autres, mais je reste plutôt inflexible mentalement, attendez, OK, il est bon sur cet aspect-là, il doit développer l'aspect flexibilité mentale. Je suis bon en écoute, c'est-à-dire que j'ai un bon niveau d'écoute, donc j'écoute les autres, mais je refuse de partager des informations. Vous voyez? Donc, on peut être bon sur un aspect et pas bon sur l'autre. C'est pour ça que c'est important de revenir, encore une fois, à la prise de recul nécessaire et faire la part des choses, dire, voilà, j'ai des aspects positifs que j'ai testés lors de telle et telle expérience, mais je relève que, voilà, j'ai une faiblesse à ce niveau-là et j'ai une faiblesse à ce niveau-là. Je vais tout faire pour les développer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très très bien, très très bien. Je pense que oui, hein, là, en fait, il faut être flexible et ne pas C'est rester ça, figé sur un on peut pas tout référentiel ou maîtriser. autre, hein, donc il faut toujours être flexible et s'adapter au changement et peut-être de la fonction et au changement de l'entreprise C'est très et simple, aux on ne peut pas besoins tout aussi maîtriser. de l'entreprise. Tous les soft skills que Donc, j'ai déroulés tout à l'heure, c'est pas possible, on ne peut pas être bon partout. C'est pas possible. On a des niveaux de maîtrise dans chaque compétence. L'idée aujourd'hui, la force d'un candidat, c'est justement cette prise de recul et l'envie d'aller développer ces écarts, soit en entreprise, soit en tant que chercheur d'emploi. Tout à fait, tout à fait. Donc là, il y a Mohamed Sadir Chemchet qui te demande comment vous arrivez à remarquer les soft skills du candidat en entretien si l'entretien ne fait Si c'est un pas entretien plus de de 10 10 à à 20 15 minutes, minutes. ça veut dire que le recruteur a deux ou trois choses à valider très rapidement. Donc, finalement, 10-15 minutes, on ne peut pas avoir un entretien à 10-15 minutes avec quelqu'un qui a une expérience professionnelle assez conséquente. On peut avoir 10 à 15 minutes pour des fraîchement diplômés où on ne demande pas, on n'est pas très exigeant sur plusieurs aspects.
on recherche deux ou trois choses, par exemple l'ouverture d'esprit et le comment dire la l'adaptabilité ou peut-être aussi le comment dire le travail d'équipe, qui est apte à travailler en équipe. Donc ces aspects-là, on les valide avec deux ou trois questions ciblées, 10-15 minutes, et on entretient. Mais ça, c'est encore une fois pour peut-être des frais, et encore même pour les fraîchement diplômés, moi je n'ai pas en mémoire un entretien de 15 minutes. Si un recruteur boucle l'entretien au bout de 15 minutes, ça veut dire qu'il a déjà fait son choix et que peut-être que vous avez donné tout de suite, parce que n'oubliez pas, il y a l'aspect, la première impression qui tue, l'effet halo en communication, on appelle ça l'effet halo, H-A-L-O, donc pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, c'est l'effet halo, c'est la première impression. Il ne faut pas se mentir, en entretien, quand moi, en tant que recruteur, je vais recevoir une centaine de personnes en cette semaine, je n'ai pas le temps. Si j'ai quelqu'un qui arrive et j'ai vraiment tout de suite un mauvais pressentiment ou le premier contact n'est pas bon, je n'ai pas le temps d'avancer avec lui. Si c'est un candidat qui est fermé avec lequel je ne peux pas avancer à l'entretien. Je lui pose des questions, il répond de manière très limitée. Ça veut dire que je ne peux pas avancer avec lui en échange. Donc, il peut être bouclé. Enfin, l'entretien peut être bouclé au bout de 10-15 minutes. Enfin, je ne vais pas trop se poser de questions là-dessus. Hein. Mm-hmm. Oui, très bien. Donc là, j'ai aussi une autre question de Kerima. Quel conseil donneriez-vous aux talents qui justement font preuve de curiosité et de recherche, mais qui sont face à un employeur qui changer d'emploi. Recherche un simple exécutant. Changer d'emploi. Ok. Radical. Elle pose aussi une autre question. Donc, auriez-vous des méthodes de test qui nous permettent de faire une auto-évaluation de nos compétences pour mieux les identifier et ainsi travailler dessus? J'ai pas très bien compris. Alors, est-ce que tu peux donner peut-être des méthodes de test qui permettent de faire une auto-évaluation de soi? Donc, en fait, pour mieux identifier ses compétences et travailler. Alors, moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une méthode très simple. Hein. Prenez toutes les expériences que vous avez vécues. Linda, on ne te reçoit pas. Alors, est-ce qu'on reçoit Linda ou pas? Ok. Alors, attends. Pas encore, non. Non. Ah, c'est bon, moi, je pense que je reçois. Très bien, très bien. Linda, on te reçoit de nouveau. On te reçoit de nouveau. Oui. Donc, en fait, tu étais en train de répondre à la question concernant les tests pour faire le bilan de soi. Oui, je disais que le meilleur moyen le meilleur moyen pour se préparer, justement, c'est d'aller justement décortiquer toute votre expérience professionnelle, donc poste par poste et situation par situation, et relever toutes les choses que vous avez développées. Alors, si lors d'une expérience professionnelle, vous avez pu être très collaboratif, très dans le partage de l'information et de la collaboration avec les autres, c'est une compétence que vous avez développée grâce à cette expérience professionnelle. Il faut la relever. Il faut aussi
être concret et donner des exemples vivants de la situation où vous avez été, où vous avez vraiment mis en valeur cette expérience. Donc, c'est comme ça qu'on fait, en fait. C'est vraiment expérience par expérience, poste par poste. Qu'est-ce que j'ai réussi à cette position-là? Ok, super. Donc, cette expérience m'a permis de développer telle compétence. Super. Donc, je sais ce que c'est et je la maîtrise. Donc, je la mets en avant. Après, encore une fois, on ne peut pas tout avoir. Mais l'idée, c'est au moins maîtriser deux ou trois qui sont très importants. Je vous ai donné l'exemple des quatre compétences les plus recherchées aujourd'hui en 2020 par les recruteurs. Bah, essayez justement d'aller sur ces compétences-là, si vous ne les avez pas encore, et aller chercher des formations pour les développer et les mettre ensuite plus tard en valeur. Très, très bien, très, très bien. Donc là, on a aussi une autre question. Est-ce que les soft skills sont communes, hein? Est-ce que les soft skills sont générales? Et est-ce que ça concerne tout, en fait, est-ce que c'est les mêmes soft skills qui concernent toutes les catégories d'emploi, hein? Donc est-ce qu'on recherche les mêmes soft skills chez un junior comme chez un manager? Et en fait, qu'est-ce qui prime lors d'entretien? Est-ce que c'est les soft skills ou les hard skills? Est-ce que ça dépend des fonctions? Donc, est-ce que tu peux nous éclaircir les participants à propos de... Je pense que j'ai répondu au début à la question de différencier les hard skills des soft skills. Les hard skills, ok, vous les avez, super, vous venez mm-hmm. avec votre bagage théorique, super. Mais ce qui est recherché, bon, après, bien sûr, chaque métier, on recherche telle et telle compétence. Je vais être peut-être plus concrète. Quelqu'un qui est dans la production, qui vient avec un ingénieurat, il est forcément orienté vers un poste dans la production, donc il doit apprendre toute la chaîne de production, il doit la maîtriser avec le temps, il doit la maîtriser. Mais le recruteur, justement, qu'est-ce qu'il recherche? Il ne recherche pas des qualités en communication, dans l'oral et dans l'écrit, mais on recherche quelqu'un qui a une flexibilité mentale, donc qui est capable d'apprendre très vite, quelqu'un qui est dans le partage de l'information, qui n'est pas dans la rétention, et quelqu'un de curieux. OK? Donc ça, c'est des qualités qu'on recherche lors de ce type de recrutement. Donc, encore une fois, le recruteur, il recherche... selon les postes à pourvoir, hein, et selon la culture de son entreprise, les valeurs de son entreprise. Donc, je parlais tout à l'heure de matching. Et ben, lui, il va faire un matching. C'est très simple. Il a un référentiel. Il a certaines choses, des informations. Il a son candidat. Il va essayer de matcher les deux éléments et voir un peu s'il n'y a pas un gros écart. S'il n'y a pas un gros écart, il peut le défendre auprès du métier. S'il y a un gros écart, il ne pourra pas le défendre auprès du métier. Donc, quelque part, il va être obligé de l'écarter. Donc, un matching, non seulement sur la partie hard skills, effectivement, moi, je recherche quelqu'un qui a la technicité, super, mais en même temps, est-ce qu'il a des qualités qui lui permettront plus tard d'évoluer dans le groupe dans lequel il va être recruté? Si c'est quelqu'un qui n'est pas très sociable et quelqu'un qui n'est pas très ouvert et quelqu'un qui a du mal avec les autres, il ne pourra pas aller vers les autres, ça sera problématique parce que de toute manière, il est condamné à travailler en équipe. Comment il peut évoluer? Même s'il est très bon techniquement. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait à formation égale, il peut ne pas être retenu avec quelqu'un d'autre. Il vient avec les mêmes références. Oui, et c'est pour ces raisons-là, hein, qu'on reçoit beaucoup de remarques de candidats. Mais pourtant, je suis excellente. Oui, mais c'est la phrase qui revient. J'ai un excellent CV. Je suis très bon techniquement, mais je ne comprends pas pourquoi on ne me retient jamais. Là, on revient à la prise de recul. On revient à la qualité principale que finalement chacun de nous doit avoir. C'est cette prise de recul et se dire, c'est pas la faute de l'autre, c'est ma faute. C'est jamais la faute de l'autre, c'est toujours ma faute. Si moi j'intègre complètement cette idée et que je l'accepte, je pourrais avancer et je pourrais prendre le recul nécessaire et apprendre. Si je me ferme, je n'apprendrai rien, je n'apporterai rien à l'entreprise et l'entreprise, de toute manière, ne me recrutera pas. Très bien, très bien. Enfin, j'ai une dernière question de Hassan Chatour.
Est-ce qu'il y a un rapport entre le soft skills et la rémunération ? Pas du tout. Pas du tout, je vais vous dire pourquoi. Du moins, à l'entretien, non. À l'entretien, moi, j'ai un candidat en face de moi, j'ai un poste pour lequel il doit être pris ou pas. L'avancement en rémunération, justement, c'est après que la rémunération intervient, hein, c'est après. Donc, moi, j'ai en face quelqu'un qui a tellement développé ses compétences qu'à un moment donné, il est devenu performant. Parce que finalement, tout ça, pourquoi ? C'est pour devenir performant en entreprise. Et si je suis performant, je serai reconnu. Et si je serai reconnu, je serai donc un peu parmi les personnes qui vont être rémunérées différemment d'autres personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des profils rares et des profils qui ne sont pas rares sur le marché. Il y a des profils rares, c'est-à-dire qu'ils ont développé non seulement une partie technique qui est très rare, mais en même temps, une compétence managériale, par exemple, qu'on ne retrouve pas chez d'autres personnes. Donc, j'ai un directeur commercial, un autre directeur commercial. Ce qui fait la différence entre les deux, ben, c'est l'autre, l'un arrive à fédérer autour de lui, arrive à faire travailler les autres, arrive à animer sur un plan commercial, maîtrise parfaitement tout le process donc lié à son métier. Et un autre directeur commercial qui est non seulement pas fédérateur, et en plus, il a un sérieux problème de communication. L'autre devient un profil rare sur le marché, et l'autre, ben non. Donc finalement, le premier a une meilleure rémunération parce qu'il est convoité. Il est convoité pour ses compétences qu'il a développées avec le temps. Donc, la partie technique et la partie soft skills vont de pair, mais aujourd'hui, c'est la partie soft skills qui prend un peu plus le dessus et qui va déterminer plus tard votre niveau de rémunération. Parfait, parfait. Écoute, encore une fois, vraiment merci Linda pour ta bonne humeur déjà, pour tous les conseils que tu as donné aux candidats. J'espère. Il y a une dernière question de Monsieur Shemchat. J'aimerais bien répondre parce qu'il a posé une question par rapport à trois compétences dans leadership, esprit d'équipe et bonne communication. Tu choisis quel candidat entre eux ? Ça dépend du poste, encore une fois. Si moi, je suis à la recherche d'un directeur commercial où le leadership est une qualité suprême, parce que dans le leadership, on retrouve l'écoute, on retrouve dans le leadership, il y a plusieurs qualités qu'on retrouve dans cette compétence-là. Entre autres, la communication et l'esprit d'équipe. Je suis leadership parce que j'arrive à avoir un bon esprit d'équipe et je suis capable d'écouter l'autre et d'interagir avec lui. Donc, j'ai un bon niveau de communication. Donc, je pense que ça va de pair. Donc, finalement, leadership, si je suis leader parce que j'ai un bon esprit d'équipe et j'ai un bon niveau de communication. Mais si, par exemple, j'ai une personne en face de moi qui n'a pas de leadership, mais qui est destinée à un poste de responsable d'équipe, franchement, même s'il a un esprit d'équipe, il a un bon niveau de communication, je ne le prendrai pas parce qu'il n'a pas justement cette capacité à fédérer. De fédérer, en fait. Très très bien, voilà. Très très bien. Je pense qu'on a fait le tour pour les questions, Linda. Encore une fois, merci pour ta générosité, pour ta disponibilité, pour les informations riches que tu as bien voulu partager aujourd'hui. En fait, je te laisse le soin de terminer sur une note positive. Très positive. Alors, je termine juste avec cette phrase. On ne naît pas avec, on les développe. Donc, rassurez-vous, c'est des choses qui se développent avec le temps. Il suffit juste d'avoir cette volonté, ce niveau de curiosité et surtout cette envie de changer les choses en soi. Si moi, je n'ai pas cette prise de recul avec moi-même, franchement, je vous parle de mon expérience personnelle. Ça m'a servi un peu, toutes mes expériences m'ont servi à vraiment prendre du recul. Je reprends un peu toutes mes expériences et j'essaie d'apprendre de mes erreurs. Voilà. Très, très bien, très, très bien. Encore une fois, merci, merci Linda. Je remercie aussi tous les participants qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire.
Donc, on se retrouvera très, très bientôt pour d'autres webinaires. Et d'ici là, je pense que madame Linda Blade vous a donné assez de matière pour passer un bon week-end bien instructif, bien rempli. Et puis pour la présentation de votre temps, les participants souhaitent la voir, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de nous faire signe, on pourra partager avec vous la presse. Voilà. Je vous remercie aussi. Là déjà, tous les slides sont justement disponibles sur le replay. Mais après, on peut envoyer à tous les participants la présentation que tu as déroulée, qui était très, très, très riche en informations. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bon week-end à tous et à toutes. Au revoir.